Donc papa, il ouvre un cadeau. Mais c'est... Attends. Non. Mais... Maman, viens voir. Quoi? Attends. Regarde. C'est pour que tu... Pour que tu puisses parfaire ta technique. Comme t'as jamais... La technique, elle est pas bonne. Si, elle est très bonne. Mais comme t'as jamais appris les techniques de base, en fait, c'est un coffret qui devrait te le permettre. Ouais, mais c'est chiant. Non, papa, c'est pas du tout ça. On s'en fout, tu le fais. Merci, dis qu'on cadeau, il est pourri, quoi. C'est bien. Ouais. Ouvre-le, s'il te plaît, hein, t'es gentil. Mais non, mais parce que c'est vrai, il faudrait que... Bah, comme ça, tu connaîtras au moins les noms des techniques. Oui, parce que toi, tu fais style, ouais, je fais du Billy Idol, nanani, je fais ci, je fais nanani. Billy Anaïs l'affront Billy Idol. Bon allez, voilà. On fera mieux la prochaine fois. Hein. Nous continuons les. Non, c'est génial. Les événements, ouverture de cadeaux. Anaïs s'apprête à ouvrir un cadeau. Non, c'est le cadeau que je vous offre. Ah d'accord. Ça veut dire que Solène et moi, on a le même cadeau, mais pas de la même couleur. Ma cigarette. Non, c'est bien, ça. Nous allons assister donc à l'ouverture du cadeau par Solène. Bon, je peux l'imbiber en fait. Écoute, j'ai carrément pas trop le temps. Elle est pas faite pour être imbibée. Allez, Solène. Elle est faite pour être posée. Voilà, Poupou Pidou. Mais je peux te ramener des formes pour être imbibée. Évidemment, je ne te cache pas que ça m'intéresse particulièrement. Poupou Pidou. Et nous assistons à. Mais qu'est-ce que. Oh, un porte-monnaie vide. Un porte-monnaie vide. Si, il y a deux. C'est un Calvin Klein. Il y a deux francs. Oh purée. Il y a deux francs suisses dedans. Mais attends, j'ai le même. Très très beau. Attends, tu vois pas. Non, c'est celui-là, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi en fait t'es du genre à perdre facilement les trucs, non? Ouais. Non, c'est peut-être mieux. Je pense que c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Moi j'en ai un comme ça, il est très bien celui-là. Merci maminette. Mais oui! Mais oh putain, regardez les filles! Allez, voilà, j'ai les francs. Là, c'est nouveau comme quand elle était enfant. Comme ça, regarde. Les gens, mais c'est joli comme tout. Tu faisais un vrai Calvin Klein. Bah oui, oui. Franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Attends, je t'apprends un gros plan là. Mais non, il est beau. C'est génial. Elle avait pas de portefeuille. C'est vrai, j'ai pas de portefeuille, j'ai que des brochettes. Et bah quoi? 5, 6, 7. Quand tu fais ta blasée? Je sais, 5, 6, 7, 8. Ils ont des beaux paquets. Ah ouais, voilà, d'accord, j'ai compris. Attendez, stop! Ça va avec le collier. J'ai pas compris. Tu viens pas ça? Oh putain. Ça sera un autre. Ah voilà! Ça complète la parure, hein. Je comprends bien pourquoi elle l'a mis ce soir. La parure. C'est une parure quoi? Ah, c'est Messica. C'est le grognasse de blonde là qui est fan, non? Eh maman, t'as vu la boîte, elle a abîmé. Regarde. Mais elle tape dessus. Voilà, vas-y, essaye-le. Je sais plus comment elle s'ouvre. Ah, non, parce que je l'ai pas vu. Ça va vouloir mettre Jean-Luc, je sais plus comment elle s'ouvre. T'appuies dessus. Elle sait pas comment il faut ouvrir, il faut poser dessus. Attends. Quelle main? Je le mets là. À côté du diamant déjà? De Rodolphe Berger. Elle dit, t'as vu mon faire un diamant à Rodolphe Berger? Je sais pas pourquoi. Non, non, c'est pas vrai que j'ai dit. Ah, merde. Il est beau, hein? Ah, je l'ai fermé dans le mauvais sens. Ouais. Moi j'aimerais bien un papillon comme ça en or blanc. Oh putain, comme c'est beau. Il y a Messica qui vient. Oui, je sais que Messica a fait. C'est qui Messica? Tu vois un mari qui m'en fait. C'est mieux ça, c'est parce qu'il faisait des papillons. Si elle faisait des papillons, j'aurais fait un ensemble. Mais comme j'ai plein de cercles comme ça, plein. On ne sait plus quoi en faire. Peut-être un jour. Mon mariage. Non, j'aurais bien aimé tout de même le papillon. Tu vois, j'ai bien le papillon. Sinon, moi, mais 5, 6, 7, 8, mais moi, mes bijoux, en fait, je les achète à Promode. Celui-là, il est à 4,95€. Agatha, 20€. Agatha, tu me l'as 20€. 20€. Dis donc, t'es lâché, hein, 20€ pour un collier.
Faut vivre, hein, on ne sait pas quoi elle fait le lendemain. Mais comme il faisait les dents.